Attends, trop tard. T'as éteint là? Non, je sais pas éteint. Alors, vas-y, filme quoi. J'attends toujours. Bon, vas-y, éteins là. C'est bon. Elle dit au revoir à son chéri. Ce jour-là, nous partons en vacances dans les Vosges. Nous avons réservé un gîte dans le village où vivaient mes grands-parents maternels, Marie-Louise et Noël. Dès mon plus jeune âge, j'y allais en vacances avec mes parents. Ado, j'y passais des étés avec mon cousin Stéphane. Lorsque les enfants étaient petits, ils adoraient y aller pour retrouver leurs arrière-grands-parents. Pour fabriquer ce retour au Grand Valta, qui comprendra 6 épisodes, en plus des rushs de 2019, j'ai utilisé ceux de deux époques. En 2007, l'année du décès de ma grand-mère, j'avais filmé avec une petite caméra Sony Mini DV, comme une première tentative avortée du journal filmé. En 2014, avec une caméra Canon Leica H200, j'avais filmé Bérénice autour de la maison familiale déserte. C'est à partir de ces 3 temps que j'ai construit cette série de 6 épisodes. Comme si certains lieux nous permettaient de remonter dans notre mémoire, de reconstruire nos souvenirs. La matière cinématographique a le pouvoir de faire surgir des doubles qui voyagent dans le temps en toute liberté. Il faudrait pas regarder s'il pleut alors. Enfin, si vous avez pas vu. Oui, parce qu'il y a des chambres en plus, il y a des chambres de plus. On est 3 chambres. Qu'il est coupé entre temps. Sans doute, c'est possible. Hein, parce que bah ouais, parce que. Mon grand-père Noël a mis fin à ses jours en 2009. Il avait presque 100 ans. Il s'est pendu dans le grenier juste derrière ce bardage en bois que nous longeons. La maison a été vendue quelques années plus tard à des gens qui n'y viennent jamais. Depuis, chaque fois que nous passons, nous tournons autour comme dans un rituel qui aurait pour but de faire revenir les morts. Mais ils avaient depuis longtemps cette maison? Ils l'avaient depuis toujours ou... Il y a les rideaux de maman, puis ils en ont mis en dessous. Ah, oui. Mais ceux qui sont en haut, c'est ceux de maman. Ah, oui, d'accord, et puis ils ont mis en dessous. Oui, ils en ont mis en dessous pour qu'on voit pas. Et arrête ça, Léo! Tu prends les morceaux de bois, là, Léo? L'année dernière, c'était pas ça? Oui. On se sera mis matin depuis 4 heures, ben, jusqu'à 7 heures. Ouais, ben. Il fait que de danser. Ben voilà. Monter l'escalier, descendre, monter. Bah ouais. Il a pas arrêté de filmer toute la journée, toute l'après-midi. C'était bien. Ah, tout le monde était là. C'est vrai qu'ils vont se fâcher là-dedans. Ah ouais, je sais pas, mais en tout cas. Je croyais qu'il y avait plus de. Il nous a dit tout à l'heure, il n'y a plus de batterie, mais non, il y en a encore. Oui, ça marche. Ce que ça remue en nous, de revenir dans des lieux que nous avons tant aimés et qui ne sont plus peuplés que de fantômes. Ce que ça fait remonter d'images anciennes et de souvenirs enfouis.